remarque, je te le dis souvent, je crois qu'on peut dire que tu es un peu un boulimique du travail, hein, puisque tu as enchaîné vaillamment toutes ces dernières années la responsabilité, j'ai du mal à le dire sans rire, mais c'est vrai. Alors, c'est peut-être tes origines normandes qui te donnent ce caractère un peu radical. Tu es prêtre diocésain pour le diocèse de Nanterre, où tu as connu, malgré ton très jeune âge, beaucoup de paroisses depuis que tu es prêtre. Entre autres choses, tu as toujours été enseignant au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, au séminaire des Carmes, où tu as été directeur pendant quelques années, avant de revenir à tes premières amours et de devenir curé de Montrouge, délégué diocésain à la formation des prêtres jusqu'à l'année dernière, membre du très prestigieux comité de rédaction de la revue des Cahiers d'Atelier, je vous recommande, et en étant curé de Montrouge, voisin de la CE, ce qui parfait vraiment ce portrait, et ce qui nous laisse attendre beaucoup de ton intervention. Alors l'Action catholique, tu connais très bien aussi pour avoir accompagné beaucoup d'équipes, pour avoir aussi, et je peux en témoigner, accompagné et soutenu des équipes sur tes différents lieux de mission. ACE, JOC, ACO et ACI, puisque tu as aussi été aumônier d'accompagnateur de saison, sauf erreur. De toute façon, tu n'as pas de micro, tu peux pas répondre. Bon, pendant quelques temps. Voilà, alors toi, tu vas te donner un éclairage plus sur les repères humains et chrétiens d'un cheminement spirituel. Je te laisse le micro. Alors, j'ai proposé un titre, j'imagine que ça a été un drôle quand le titre est arrivé au national, ACE égale MC2. Il n'y a pas de raison que les Taniens aient le droit de dire des bêtises. Alors, je ne vais pas vous dire tout de suite pourquoi j'ai choisi ce titre. J'espère que les quelques mots que je vais vous dire l'éclaireront, mais surtout à la fin, rassurez-vous, j'essaierai de vous dire pourquoi ce titre. Pour l'instant, restons sur le seul C de la CE. Cette lettre qui fait le thème de notre rencontre. Donc, il y a un C au milieu du cycle de la CE, et ce C veut dire catholique. Le mot n'a pas forcément bonne presse. Quelquefois, on aurait envie peut-être de l'effacer, ça serait plus simple. Je me rappelle quand je suis arrivé à Montrouge, comme curé de Montrouge, ça ne sortira pas d'ici évidemment, hein. Quand je suis arrivé à Montrouge, il y avait une équipe assez dynamique du Secours catholique. Et la directrice à l'époque du Secours catholique avait un tel problème avec l'adjectif catholique qu'elle avait décidé qu'on parlerait partout du secours. Non. Loin. Bon. On a réintroduit un peu l'adjectif depuis, puisque. Enfin, si j'ai bien compris, ici, on y a. Alors, dans ce cycle ACE, il me semble que le mot catholique nous renvoie à deux réalités. La première, c'est évidemment l'Église catholique. La CE, en se disant catholique, s'inscrit dans la vie et dans l'histoire de l'Église catholique. Mais aussi, cet adjectif qualifie un substantif « action catholique ». Action catholique, ce qui veut dire que la CE s'inscrit aussi dans la vie et l'histoire d'une réalité plus récente, quasi centenaire quand même, hein. Donc une réalité dans l'Église, l'action catholique. Et c'est de là que je voudrais vous proposer de partir. Nous sommes un mouvement d'action catholique. Je dis nous alors que j'en fais pas forcément tout à fait partie, mais comme on a créé un club ACE à Montrouge, hein, je me considère un peu comme de la famille. Bon. Alors, donc, nous sommes un mouvement d'action catholique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas allé chercher des définitions dans les documents qui ont pu être publiés, nombreux, par tous les mouvements qui se réclament de l'action catholique. Mais comme Agnès le rappelait, j'ai
J'ai quand même, depuis une trentaine d'années, travaillé avec plusieurs de ces mouvements. Je vous propose ma petite définition perso de l'action catholique. L'action catholique, elle est faite de ces mouvements fondés sur la conviction que le Christ est déjà présent à nos côtés dans notre vie la plus quotidienne et la plus banale. Que donc, si nous nous réunissons entre personnes qui vivent à peu près les mêmes réalités, en échangeant sur ces réalités, en essayant de les comprendre pour pouvoir en être les acteurs, nous allons découvrir que le Christ et la foi sont déjà présents dans ces réalités. Et non seulement dans ces réalités, mais aussi dans notre désir de les habiter comme des acteurs libres et responsables. Phrase un petit peu longue. Vous la roulez, c'est bon? Alors, si nous nous réunissons entre personnes qui vivent à peu près les mêmes réalités, en échangeant sur ces réalités, en essayant de les comprendre pour pouvoir en être les acteurs, nous allons découvrir que le Christ et la foi sont déjà présents dans ces réalités et dans notre désir de les habiter comme des acteurs libres et responsables. Même la deuxième fois, ça va trop vite en général. Ils seront disponibles, les textes? Ils seront disponibles après la rencontre. Alors, après la rencontre, le texte sera disponible. Donc, toutes les notes que vous avez prises depuis ce matin, c'est... Bon. Alors, bon, ce que je viens de dire, là, je crois que c'est vraiment la conviction de l'action catholique. Le Christ est déjà présent dans toute réalité humaine. Et ensemble, nous pouvons reconnaître sa présence et accueillir son invitation à construire le monde. Voilà. Vivons, parlons de ce que nous vivons, et chemin faisant, nous allons découvrir le Christ qui nous accompagne sur le chemin de vie. J'ai l'impression que je ne vous apprends rien quand même, hein, je pense. C'est juste un rappel. Bon. Alors cette conviction, probablement qu'elle a fait vivre l'Église depuis toujours, mais cela donc a été particulièrement théorisé, si je puis dire, et surtout mise en œuvre dans des milliers et des milliers d'équipes tout au long du XXe siècle. Et ça a aussi inspiré, nous le savons très profondément, le Concile Vatican II. Et puis, à partir des années 80, que la plupart d'entre vous n'ont pas connu, c'est beau cette jeunesse, à partir des années 80, on a commencé à s'interroger sur ce modèle. Et s'il fallait d'abord se tourner, s'il fallait pas d'abord se tourner vers le Christ, prendre ses distances avec le monde, au moins symboliquement, pour écouter la parole de Dieu, et voir seulement après comment on peut essayer de vivre, de mettre cette parole en pratique dans la vie. Et ceux qui préfèrent cet autre modèle, donc, regardons d'abord la foi, regardons d'abord l'Écriture, approfondissons ce qui nous est dit par l'Écriture, et puis essayons de voir comment on va mettre ça en pratique dans notre vie. Donc ceux qui préfèrent ce modèle, qui fait tout partir d'abord du Christ, il leur arrive de penser, voire de dire, c'est plus embêtant, que, à force de partir de la vie, l'action catholique aurait fini par oublier un peu le Christ et son message. Oula. Comme moi, je pense que vous connaissez ça, si vous connaissez ça par cœur, vous l'avez probablement entendu aussi autour de vous, cette opposition entre la vie et l'écriture, ou entre peut-être les valeurs et la foi. On nous l'a tellement répété ces dernières années,
que même des membres des mouvements d'action catholique, parfois jusqu'aux plus hautes instances, en ont été ébranlés. Avons-nous été fidèles au message de l'Évangile? N'avons-nous pas laissé tomber notre spécificité chrétienne? A-t-il encore du sens, ce « c'est » au milieu de notre siècle? Alors ce matin, je voudrais juste vous dire deux choses. Premièrement, vous êtes authentiquement catholique. Deuxièmement, vous êtes authentiquement action catholique. Les deux points de vue, du moins, dans les deux cas, c'est tant mieux. Donc, à la fin de cette longue introduction, passons au premièrement. Une ACE peut être plus catho qu'elle ne le croit. Ça va, c'est bon. Vous pouvez passer, si ça vous embête, vous passez tout votre temps à vous demander ce que veut dire ACE égale ACE. Donc, une ACE peut être plus catho qu'elle ne le croit. Donc, en fait, puisqu'il faut que je fasse un peu vite et que j'ai déjà été long dans cette intro, je vais m'appuyer surtout, enfin, presque exclusivement, même sur les résultats de cette enquête, dont on vous a présenté déjà quelques panneaux tout à l'heure, cette enquête faite par la CE auprès de ses membres, et qui a connu un taux de participation en effet très bon pour ce genre d'enquête, et dont les résultats sont vraiment intéressants. Alors, tout d'abord, j'ai demandé qu'on nous rapproche, merci d'avoir fait, qu'on nous rapproche deux des questions qui faisaient partie de cette enquête. Alors, on va les relire. On va les relire ensemble. Donc, la question 8. Si vous deviez qualifier votre degré d'aisance pour parler du C de la CE à l'extérieur, aux familles, prêtres, etc., vous diriez que vous êtes. Et vous aviez le choix entre, depuis très mal à l'aise à gauche jusqu'à très à l'aise à droite, avec 6 possibilités, si bien qu'on va dire que la moyenne, elle passe entre le 3 et le 4. Alors, c'est impressionnant, vous voyez, parce que on a très à l'aise 18%, alors on va dire à l'aise 33%, et puis plutôt à l'aise, puisqu'on est au-dessus de la moyenne, 28%. Non, je tomberai pas. Vous m'en rassurez. Et puis il y avait donc, je les prends en même temps, il y avait la question 15. Si vous deviez qualifier la nature de vos rapports avec la majorité des acteurs de l'Église présents sur votre territoire, vous diriez qu'ils sont, et alors là, c'était pas très mal, c'était très mauvais, jusqu'à très bon. Et voyez que très bon 16%, rappelez-vous très à l'aise 18%, bon 36%, rappelez-vous, à l'aise 33%, plutôt bon 27,5%, rappelez-vous, plutôt à l'aise 28%. C'est impressionnant parce que c'est exactement les mêmes résultats. Je ne sais pas si c'est les mêmes personnes, pas forcément, qui ont donné ces réponses, mais ça m'a frappé comment on pouvait presque exactement, parce que quand il y a 1% d'écart, ça ne veut rien dire du tout, on peut presque exactement superposer ces deux tableaux. Alors, première remarque, pourtant ce n'est pas tout à fait le même sujet. La première question, elle touche donc à l'aisance que nous avons à parler de la dimension catholique de notre mouvement. Alors la question dit à l'extérieur, moi je dis les prêtres ne sont pas forcément tout à fait à l'extérieur de l'Église. Enfin pas tous, hein. Il y a des confrères en salle, je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Bon. Donc c'est plutôt à l'extérieur du club, je pense, à l'extérieur de la CE elle-même, hein. Mais également éventuellement dans l'Église. La seconde question touchait à la nature des rapports que nous entretenons avec les acteurs de l'Église. Donc, vous voyez, d'un côté, c'est plutôt notre capacité à parler de la référence catholique, à parler du fait qu'on est catholique. De l'autre, notre relation à ceux qui sont engagés dans l'Église. J'ai envie de dire, d'un côté, plus le côté témoignage, et de l'autre, le côté appartenance. Et donc, dans les deux cas, 79%, c'est pas rien, hein, 4 sur 5, presque, 79% des réponses
sont plutôt positives. Et si vous n'êtes mentionné que les deux les plus fortes, à chaque fois, une majorité absolue, positive ou très positive. On n'aurait eu que des très bons ou que des très à l'aise, étant donné l'actualité présente de l'Église, ça aurait presque fait peur. Bon, un minimum de distance avec un peu critique, ça ne doit pas faire de mal. Mais il n'empêche que ces résultats nous révèlent, et c'est peut-être inattendu pour certains, que les membres de la CE sont plutôt à l'aise dans leur basket catho. Pas de contestation ? Bon. Alors je continue. Et je passe tout de suite à mon deuxième point, parce que c'est celui que je veux développer un tout petit peu plus et qui me paraît le plus important, c'est une authentique action catholique. Et je voudrais m'attarder un moment sur la question 10 de l'enquête. Voilà. Pour vous, le C de la CE, c'est avant tout l'accueil de tous les enfants, 74%. Les temps d'échange entre les enfants, 58%. Les temps de relecture, 54%. De l'ordre de l'invisible, 53%. Les récollections, 37%. Les temps de prière et de célébration, 27%. La rubrique prendre le temps des revues enfants, 18%. Les séquences, on cogite, on discute des revues, etc., 9%. Bon. Alors, en commentant ce tableau, en commentant ces résultats, cette fois-ci, je vais être un peu plus partial que je vais essayer d'être dans l'introduction, parce qu'après tout, je n'ai pas honte non plus d'être attaché à l'action catholique. Qu'est-ce que la catholicité de la foi chrétienne ? C'est son caractère universel. Universel au sens le plus large du terme. Fondé sur la conviction que le Dieu des chrétiens aime tous les êtres vivants et veut le salut de tous. Et catholique, celui qui est ouvert et accueillant à tous. Pas d'abord pour faire des chrétiens, mais d'abord parce que notre Dieu nous invite à vivre avec lui l'accueil inconditionnel de tous. Ça paraît quelque chose de tout à fait important. L'universalité, la première universalité de la foi chrétienne, elle est là. Elle est dans la confession d'un Dieu qui aime tous les êtres humains, toute sa création déjà d'abord, mais tous les êtres humains d'un amour inconditionnel. Et si nous voulons nous aussi être catholiques, c'est pas seulement pour affirmer que l'Église du Christ est présente partout dans le monde, c'est pour affirmer d'abord que les chrétiens sont ouverts, veulent vivre un accueil inconditionnel à tout être humain. Donc il est indispensable, si elle veut être authentiquement catholique, que la CE soit ouverte à tous les enfants. 74%. Voilà, je pense que c'est vraiment une belle chose, l'important que ce soit la réponse la plus souvent donnée. Comme catholique, nous partageons aussi avec l'ensemble de l'Église une vision de l'homme comme être de relation. Alors pour faire plaisir, pour me faire plaisir en moi à l'anthropologue qui ne sommeille jamais longtemps, nous sommes ce qu'on appelle des personnalistes. Vous allez se perplexer. Les personnalistes, ce sont ces gens qui pensent que l'être humain n'existe que dans la relation. Relation avec tout son environnement, d'abord et surtout relation avec les autres humains.
ce qui fait vivre, ce qui fait grandir dans la vie, et c'est évidemment important en particulier dans l'enfance, ce qui fait vivre, ce qui fait grandir dans la vie, c'est la relation, l'échange, le partage, la communication, le dialogue. Et aussi, alors ça arrive, au fil du temps, ça n'est pas forcément immédiat, on vient de vous l'expliquer, mais aussi la conscience que nous prenons de la richesse de cette vie partagée. Autrement dit, pour reprendre les termes de l'enquête, l'importance des temps d'échange et des temps de relecture qui arrivent en deuxième et en troisième position, avec 58 et 54%. Probablement que le temps de relecture, c'est quelque chose qu'il faut, avec tout l'exposé que nous venons d'avoir sur la spiritualité des enfants, c'est quelque chose qu'il faut, avec les enfants, manier avec une certaine prudence, si je ne me trompe. Mais le mouvement, c'est aussi nous, le mouvement. C'est aussi les accompagnateurs, c'est aussi les animateurs, c'est aussi tous les différents niveaux de responsabilité et d'engagement d'adultes dans le mouvement. Et je pense que là, aussi, le temps de la relecture peut être plus immédiatement quelque chose dont il ne faut pas hésiter à le pratiquer. Et puis juste derrière, à 53%, vient la réponse, le C de la CI, c'est avant tout de l'ordre de l'invisible. Alors évidemment, chacun met sûrement des choses différentes derrière ce mot relativement vague quand même, hein, faut reconnaître. Bon, l'invisible. Mais c'est vrai qu'il y a dans l'humain une recherche qui va au-delà du visible. Au-delà de ce qui s'explique et qui se met en équation, malgré le titre de mon topo. Quelque chose qui nous dépasse, une transcendance. Cela aussi définit l'humain, si j'ai bien entendu, depuis sa naissance. Et nous pensons, comme chrétiens, que Dieu a mis en l'être humain cette recherche, cette curiosité, cette ouverture, cette insatisfaction peut-être. Et qu'il a mis tout ça au cœur de l'être humain pour y répondre en se révélant à lui. Alors voilà donc pourquoi je pense aussi que cette quatrième réponse de l'ordre de l'invisible est aussi quelque chose d'important. Dans la mesure, je reviendrai un peu en conclusion, où on ne s'en tient pas forcément uniquement à un vague sentiment de transcendance. Donc les membres de la CE ont mis toutes ces réponses avant les expressions qui évoquaient des activités plus immédiatement et plus explicitement religieuses, telles les récollections ou les temps de prière et de célébration. Alors certains, sans doute, pourraient s'en étonner, voire, parmi ceux dont j'évoquais tout à l'heure, d'autres formes de spiritualité, d'autres choix de vie spirituelle, certains même pourraient s'en offusquer. Mais il me semble que ce choix est judicieux et même légitime. Il exprime, on retrouve là le fondement même de l'action catholique, il exprime le choix d'une foi vécue d'abord dans la dimension fraternelle d'un accueil, d'un partage, qui témoigne déjà d'un lien désintéressé et gratuit qui nous unit et qui nous ouvre à ce qui nous dépasse. Je crois réellement que dans le partage, dans la relation, quand il peut avoir une dimension très profonde de gratuité, de désintéressement, et on fait ça, alors on peut à la fois dire pour le plaisir de le faire, et aussi parce que c'est normal de le faire. On n'attend pas forcément immédiatement un retour, on n'attend pas forcément des résultats, des réussites. C'est ce qui fait notre vie, c'est ce qui nous fait vivre. Et bien toute cette dimension de lien désintéressé et gratuit qui peut nous unir et que nous vivons ensemble,
il nous ouvre déjà à ce qui nous dépasse. Si je devais, je l'ai mal en texte. Il se trouve que par ailleurs, j'ai aussi enseigné la Trinité. Bon. Donc si je me laissais aller, là, je vous ferai un topo sur la Trinité, un seul mot, je ne vais pas laisser aller. Mais il n'empêche quand même que cette notion de lien absolument gratuit et désintéressé, ça s'appelle aussi l'amour. Et pour nous, c'est ce qui définit Dieu même. Dieu lui-même est relation. Et tout ce que nous pouvons vivre comme relation gratuite et désintéressée, tout ce que nous pouvons essayer de faire vivre aux enfants, par exemple, comme relation gratuite et désintéressée, tout ça, non seulement ça nous parle de Dieu, mais c'est notre manière de vivre la vie même de Dieu, qui est lui-même amour et partage. Je l'ai dit quand même, hein. Bon. Voilà. Donc, en vivant tout ça, vous voyez, je crois vraiment que, clairement, les membres de l'Action catholique, les enfants continuent à faire le choix de l'Action catholique. J'en suis à ma conclusion, ça va? Je peux même... Je suis trop court, c'est ça? Bon, on est en avance. Alors, je voudrais terminer par deux réflexions, l'une sérieuse et l'autre, donc, un peu plus farfelue. Ça va voir sur le titre. Alors, soyons d'abord sérieux. Les temps ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 50 ou 100 ans. Oui, je sais, la palisse aurait dit la même chose. C'est histoire de se chauffer au début de la conclusion. Bon. Alors, pourquoi je dis ça? Dans la France des années 1920, ou même encore 1960, celle-ci, je l'ai connue, figurez-vous quand même, donc... Bon. Donc, dans la France de ces années-là, la référence chrétienne, elle n'était pas partagée par tout le monde, certes, mais elle allait de soi. On pouvait témoigner de la foi même sans le dire. J'ai une vénération presque, j'ai beaucoup d'admiration pour les confrères qui, à cette époque-là, se sont engagés, par exemple, comme prêtres aujourd'hui. Et dans les récits que certains m'en ont fait, ou que j'ai pu lire, on voit bien qu'ils avaient, comme a priori, si je puis dire, c'est étonnant quelquefois, de ne pas s'afficher comme prêtre. Alors moi, ça, je ne sais pas s'ils seraient tout à fait d'accord avec moi sur cette analyse, moi, mon idée, c'est que ça leur était d'autant plus facile de ne pas s'afficher comme prêtre que tout le monde savait qu'il l'était et que tout le monde les respectait pour ça. Bon. C'est un peu caricatural, mais je crois quand même que c'est vrai. Aujourd'hui, la reconnaissance et le respect a priori des gens qui sont engagés comme le sont les prêtres ouvriers, ça existe encore, mais c'est quand même plus tout à fait la réaction immédiate et commune à tous. Et je pense qu'il y a toujours quelque chose à retenir dans les débats que l'on peut avoir avec ceux qui ne partagent pas notre avis, et que j'évoquais d'une certaine façon un petit peu tout à l'heure. Ce que nous disent, alors je vais employer des gros mots, ce que nous disent les identitaires ou les communautaristes, je pense que beaucoup n'accepteraient pas cette étiquette, mais enfin, je le dis comme ça. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'aujourd'hui, l'Évangile et le Christ ne seront pas découverts et accueillis si on ne les nomme pas, si on n'en parle pas explicitement. Quand vous êtes dans une société dite de chrétienté, pour faire vite, vous avez un certain nombre de gens qui, assez immédiatement, vont se dire que votre action, vos paroles, la qualité des relations que vous mettez en œuvre, elles sont inspirées par le Christ. Vous n'avez pas besoin de le dire. Aujourd'hui, nous sommes dans une société un peu différente où je pense qu'il faut aller, un moment ou un autre, jusqu'à dire, en effet, que c'est la foi, que c'est l'Évangile de Christ qui inspire notre manière d'être,
et ce que nous mettons en main. Donc là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de vrai, et qui est un peu nouveau par rapport au début et au long développement déjà de ce qui a été l'histoire de l'action catholique. Alors il ne s'agit surtout pas de se replier sur soi-même, ni d'afficher de manière offensive ou prosaïque, comme on dit, des convictions. Je suis en train de vous dire défiler dans la rue avec des panneaux, vous savez tout ce qu'il y a. Bon, je pense que là, ce serait quand même un peu à l'écart des convictions de l'action catholique. Mais, dans ce que j'appelais tout à l'heure l'accueil et le partage inconditionnel que nous voulons vivre, et en particulier à la CE avec les enfants, au moment qui conviendra, ça c'est laissé un peu au discernement et au feeling de chacun, au moment qui conviendra, je pense qu'il ne faudra pas hésiter à dire qui est celui qui nous anime et qui est à l'origine et au cœur de notre désir de communion avec tous, Jésus-Christ. Je pense qu'il y a là quelque chose qui est un petit peu nouveau. Un petit peu nouveau dans ce que peuvent vivre les mouvements d'action catholique. Je crois que ce moment de l'explicite de la foi chrétienne et de l'attachement chrétien, c'est quelque chose qui est aujourd'hui important. Deuxième conclusion, donc annoncer plus farfelu, c'est de revenir au titre. Bon, ça reste un peu mystérieux, hein, je pense. Alors, donc, vous savez quoi? Tout le monde a reconnu quand même la formule E égale MC2, dite, je crois que c'est la formule dite de la relativité, entre autres. Hein. Alors, je vais aller voir sur Wikipédia quand même. Il semble bien qu'elle soit pas d'Einstein, que un certain Henri Poincaré, frère d'un président de la République et grand mathématicien et physicien, l'avait déjà employé, et qu'avant lui, il y avait encore d'autres savants qui avaient donné cette formule. E, c'est l'énergie, M, c'est la masse, et C, c'est la vitesse de la lumière. Dès que je dis une bêtise, s'il y a des scientifiques parmi vous, vous comprenez, parce que moi je ne suis pas une fois. Voilà. Alors, ACE égale MC2, pourquoi? Parce que la CE, c'est l'énergie. Ah. Non. Si, c'est l'énergie. Bon, d'accord. La CE, on pourrait dire, alors, le mot masse, c'est pas terrible. Hein. Le mot masse, c'est pas terrible. Bon. Mais on pourrait dire quand même que la CE, elle prend les enfants, alors la masse des enfants, c'est normal, mais elle prend les enfants, leur réalité, leur côté un peu concret, là, hein, c'est... Il faut être un peu massif aussi, les enfants. Donc on prend la masse des enfants pour les mettre en mouvement à la vitesse de la lumière qu'est le Christ. Oh, voilà quand même, hein. Alors, autre interprétation, la CE c'est un mouvement, M, Cato, C, plus. La CE est un mouvement Cato, plus. Ou encore, la CE M, elle M, c'est deux C qui vont ensemble, catholique et communion. Alors, on s'amuse, hein. On s'amuse. Bon. Mais voilà, c'était un titre un peu délirant à cet exposé qui paraît, j'espère, un tout petit peu sérieux. Ce titre un peu délirant, qu'on peut interpréter de multiples façons, comme pour jouer. Comme pour jouer, et c'est bien là, il me semble, dans le jeu, que doit s'épanouir la scène.